Lire en short, c'est une initiative nationale qui vise à promouvoir la lecture sur les plages. Figurez-vous, ici nous sommes sur la plage du Prado Nord à Marseille et jusqu'à la fin du mois, un espace de lecture est installé ici. Sylvain Chuseville, qui travaille pour les bibliothèques de la ville de Marseille, a présenté ce dispositif à notre micro. Nous, on va rester là avec nos camarades d'ACLM pendant 2 semaines pour proposer une bibliothèque de plage aux gens qui viennent se baigner, pour leur proposer une activité un peu différente, dans le cadre aussi des activités sportives qui sont organisées par la ville au même endroit. On sera là entre 9h30 et 13h, du mardi au vendredi. Sur ces 2 semaines-là, donc ça commence le 21 et ça finit le 31. Et ensuite, on peut soit s'installer sur place, on a emmené quelques coussins, etc., des tapis, pour lire les livres qu'on propose. Et il y en a aussi certains qu'on propose à emmener sur la plage pour lire au bord de l'eau, même emmener chez soi, on peut les rendre le lendemain, c'est pas un problème. Alors on pourrait croire que ce dispositif s'adresse prioritairement aux enfants réputés comme étant absorbés par les écrans et peu enclins à la lecture, mais pour Gillian Santarelli qui travaille dans une librairie pour enfants, il n'en est rien. Il faut sortir de cette idée reçue que les enfants lisent moins parce qu'ils sont plus sollicités sur les écrans. C'est faux, ils sont plus exigeants en termes de lecture et du coup leur lecture est plus... C'est plus une lecture zapping en fait, et très exigeante, mais ils lisent. On a encore des enfants qui lisent, on a encore des prescripteurs, des parents, des enseignants qui veulent les faire lire. Après à nous de faire le relais, et voilà, nous sommes libraires spécialisés jeunesse, donc vous parlez à une convaincue. Je pisse brusquement de l'eau pour masquer le soleil. Je brandis mon sabre avant de bondir à la proue du voilier pour hurler « À la terre !» Une initiative qui a en tout cas bien plu à la rédaction de City Post. Et pour y participer, rendez-vous sur la plage du Prado Nord jusqu'au 31 juillet, histoire de pouvoir décrocher un petit peu vous aussi de vos portables.